il y a quelque chose que Dieu a créé. Je respecte Dieu. Demande-moi c'est quoi. L'oubli. Ésaïe 43, à partir du verset 18. 18 à 19. Seigneur, bénis ta parole. Mets l'onction sur ta parole. Je voudrais que le feu de ta présence soit sur ta parole. Et donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Vous y êtes? À Ésaïe 43, verset 18. Oui. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ah. Ne t'attarde plus sur les événements passés. Il y a des gens qui sont trop dans les événements passés. L'année passée allait ainsi, j'ai perdu mon père, donc je fais encore le deuil. L'année passée allait ainsi, il y a eu tel accident, donc je ne sors pas à telle période, tout et tout. Non, ne pense plus aux événements passés. Il t'a laissé, ce n'est pas la fin du monde, c'est les événements passés. Ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde, c'est les événements passés. Dieu lui-même a regretté pourquoi il a créé l'homme. C'est les événements passés. Dieu lui-même a regretté, puis dit, bon, je laisse tomber, je lui donne encore une seconde chance. On est trop dans les événements passés. Non, l'année passée, allait ainsi, j'avais l'argent. Non, c'était compliqué. Non, mais j'ai un mauvais souvenir de tout ce qui se passe. Il y a quelque chose que Dieu a créé. Je respecte Dieu. Demande-moi c'est quoi? L'oubli. L'oubli. J'ai un homme qui me disait, quand quelqu'un perd sa femme, il dit, je ne vais jamais oublier ça. Jamais. Perd son mari, je ne vais jamais oublier ça. Mais quand l'oubli entre en action, après 3 mois, tu commences à oublier. J'ai un collègue qui a perdu sa femme, je crois, il y a 5 mois. Je suis très proche de lui. Il pleure, il me dit, non, je ne peux jamais oublier. Je ne vais plus jamais me marier. Je suis découragé. Je suis abattu. Avant que je voyage, il me dit, Big, c'est la vie, hein? C'est la vie. Ah, je suis en train de prier que Dieu me donne une femme. Il dit, ah. Il dit, mais oui, c'est la vie. On ne pense plus aux événements passés. C'est un cas malheureux. On laisse tomber. Et on marche. Un homme ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on marche comme ça? Tu ne vas pas aller loin. Mais plusieurs personnes marchent comme ça. Des événements passés. Toujours des événements passés. L'homme marche comme ça. Quand tu marches, ce qui est passé est passé. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ça. C'est passé. Le passé. On ne peut plus rattraper le passé. Un homme qui n'a pas un passé, il n'est pas un être humain. C'est vrai ou c'est faux? Un homme qui n'a pas un passé, ce n'est pas un être humain. Il y a une de mes filles qui me disait, papa, je suis tellement découragé. Ma fille, tu as quoi? Quand je réfléchis que ce jeune est dans mon quartier, je suis sorti à lui, je suis découragé. Et toi aussi. C'est un événement passé. Elle s'est collée sur ton corps. Elle dit, quand je le vois, j'ai honte toujours. Et non. Vous savez pourquoi? Il est resté vagabond, elle est devenue DG. Dès qu'elle vient dans le quartier, quand elle le voit, il joue dame. Elle dit, hey, il dit quoi de moi-même quand il joue dame là? Elle est encore dans les événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Quelque chose qui est sur le point d'arriver. Événements passés. Si on veut rester dans le passé, on ne va pas finir. Voilà pourquoi tout ce qui est photo rétro, on met en blanc noir. C'est vrai ou c'est faux? Tout ce qui est rétro, on met en blanc noir. Moi, si aujourd'hui je fais sortir mes photos de souvenirs, tu vas trop rire. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. À l'époque, il a ses cheveux, je portais bout d'oreille, tout et tout. Mais c'est les événements passés.
c'est lié à ton passé. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vis plus dans blanc-noir, mais vis maintenant dans la couleur. Vis maintenant ce qui est tendance. Ah oui, si on dit soirée de 1970, ça n'a rien à voir ce costume. Hein? Tu vas voir de gros bas. Il ne fait pas d'effort. Qui fait comme ça? Il moule, hein? Il ne fait pas d'effort. Ne pensez plus aux événements passés. Ah oui, si c'est événement passé. Mais ça, c'est tendance. Et là, ça, c'est costume, c'est tendance. À l'époque, les vestes. Non, ça arrive ici. Ah oui, non, pour un bon Congolais, il connaît. Là, la veste même arrive ici. La cravate tombe ici. Il ne fait pas d'effort. Puis il est dans son zaïko. C'est les événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. L'Église vit trop dans le passé. Non, autrefois, ils m'ont frustré. Non, je ne vais plus là-bas. Non, le passé est là. Tant. C'est les événements passés. Jésus dit, ne prenez pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Et là-bas, dit ça. Mais la femme a dit, oui. Quand les enfants mangent, quand les petits, les enfants mangent, c'est qu'ils tombent. Les chiens aussi viennent manger. Elle pourrait dire, non, ils parlent mal, hein, gars, là. Là, comment il m'a parlé? Il parle très mal. Mais on est encore dans les événements passés. Non, le pasteur m'a dit ça autrefois. Et même quand il doit parler à quelqu'un, l'année suivie passée, en juin, 1er juin, je me souviens, à l'église, tu m'as dit ça. Non, tu n'es pas converti. Si Dieu devait vivre dans les événements passés, je ne serais même pas prédicateur. La Bible dit, Dieu nous retire nos péchés et il éloigne ça loin de nous. Un homme qui vit dans les événements passés, c'est un homme qui ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Toujours rancune. L'homme a un seul cœur, il n'a pas Dieu, deux. Donc Dieu descend dans le cœur de l'homme. Mais quand le cœur de l'homme est chargé, il ne descend plus. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc il y a un seul cœur. Quand tu gardes rancune, événement passé. Non, moi je suis trop fort, je sais trop évacuer. Non. Si tu me vois, je lève le ton sur quelqu'un. Ce que je lui reproche, il y a au moins sept. Moi j'ai eu un ami intime. Il n'était même pas mon ami, c'était mon fils. Mais je l'ai mis dans mon intimité. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas derrière moi? Ah non, prophète Job, il est temps. Mais c'est moi, je le calcule même. Ma femme dit, fais attention, et moi, on ne peut pas m'empoisonner, on ne peut pas me tuer. Comment tu peux comprendre? C'est lui, celui que tu marches, c'est lui. Il dit, non, tu n'as pas de style. Oh non, mais tu es bizarre. Il te calomnie. Et puis on te dit, et puis toi, tu prends la hauteur. Tu ne lui demandes même pas. Non. Ne compte pas sur moi pour ça. Tu ne lui demandes même pas et tu continues de marcher avec lui. Je vis dans ça depuis plus de 15 ans. Non, il a lui demandé pour faire quoi? Non. Un homme, il a la capacité de savoir une vérité et puis il ne parle pas. Mais un homme qui veut tout régler en même temps, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et même, une femme qui veut tout régler, ce n'est pas une femme, c'est une jeune fille. Une jeune fille qui veut tout régler, ce n'est pas une jeune fille, c'est elle un enfant. Un enfant qui veut tout régler, ce n'est pas un enfant, c'est un bébé. Un bébé qui veut tout régler, ce n'est pas un bébé, il n'est pas encore né. Ne pensez plus aux événements passés. Moi, je suis prophète. Par moment, quand il y a quelqu'un, tout ce qu'il dit de moi, je sais. Et puis, il m'en fout. Non, je m'en fous. Parable. Vous voyez ça? Aux événements passés. Non, il a parlé de moi quelque part là-bas. Non. Un grand, on le calomnie. Quand il regarde le président à la télé, mais tu l'insuites. S'il doit venir faire parler pour tous ceux qui l'ont insulté, quelle force il a? Tu es un grand, voilà pourquoi on parle de toi. Si tu n'es pas grand, on ne parlera pas de toi. Ne pense plus. Ne pense plus aux événements passés. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Quand tu seras dans les événements passés, le voici là ne viendra pas dans ta vie. Non. Je ne sais pas comment Dieu a créé mon cœur.
Moi, je peux passer une année sans me mettre en colère. Toute une année. Non, il fait quoi en colère? L'homme a des objectifs à atteindre. Quand tu parles de moi, c'est pas si important, tu parles de moi. Il y a des gens qui vont faire parler parce qu'on a parlé de moi. Non, tu es un enfant. S'il ne parle pas de toi, il parlera de qui? Tu es ça. Il passe tout son temps à te calomnier. Dieu fait ses esprits. Par moment, on a des défauts en nous. Quand les gens nous calomnient, on se rectifie. Ne pensez plus aux événements passés. Ma femme dit, mais quel genre d'homme tu es? On parle, tu n'agis pas. Il ne me dit plus ça. J'agis pas parce que j'agis déjà. Ne pensez plus aux événements passés. Ma voiture est tombée en panne un jour. J'ai pris un jour un roro. J'ai voulu sortir de l'académie pour attendre l'aide de mes filles pour prendre la voiture. Je suis assis dans la voiture de l'académie. Les gens ne me connaissent même pas. Ce Sénégalais là, depuis l'installer ici, il prend tout l'argent du quartier. Les mercredis, les gens viennent le voir. Mais l'argent qu'on lui donne, non. Et puis le monsieur me demande, mais monsieur, tu le connais? Et non, je ne le connais pas. Mais le monsieur là, il vient fraîchement de Dakar. Hein? Non. Médicaments qu'il a pour attirer les gens, c'est pas possible. J'ai dit, ah bon? Mais je ne le connais pas. On me descend. Les passagers sont là. Quand mon fils vient, papa, viens. Maintenant, il y a un qui dit, c'est le prophète Job qui est là. Le monsieur dit, où? Mais j'ai pas, il n'a rien dit. Mais je vais lui dire quoi? Il est ignorant. Ne pensez plus aux événements passés. Quand un homme est dans un événement passé, il fait rire. Il veut régler tout. Non, Pierre a parlé de moi. Kwame a parlé de moi. Non, Jacques a dit. Non, toi a dit, moi a dit. Oh non. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Si tu veux, le voici. Je fais toutes choses nouvelles. Ne commence plus à considérer quoi que ce soit. Un homme qui ne considère rien, il vit longtemps. Je préfère avoir un ami qui ne considère rien qu'un ami qui croit qu'il dit la vérité. Un homme qui croit qu'il dit la vérité, tu peux dans une société. On dit, enfin, non, moi, il dit la vérité. Je ne suis pas d'accord. D'accord, tu aimes revendiquer, tu seras dehors. Mais un homme qui est profond, un homme qui ne parle pas, on ne connaît pas sa position. Un homme qui dit rien, un homme qui observe, il est trop dangereux. On ne connaît pas sa position. Un homme qui parle beaucoup, tout chez moi, on connaît sa position. Quand moi je marche avec quelqu'un, j'ai une heure du temps pour le cerner. Ce que tu m'as dit, il faut répéter, hein, tu ne m'as pas répété, j'ai une identité d'un menteur. Je crois en vous. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Je mets un chemin dans le désert. En temps normal, il n'y a pas de chemin dans le désert. Mais Dieu dit pour toi, il mettra un chemin dans le désert. Il va permettre que les eaux coulent dans le désert pour toi. Si tu considères plus les événements passés, tu vas voir que ta vie va commencer à fleurir. Tu vas voir, au lieu de t'occuper de ceux qui te calomnient, tu vas t'occuper de ton travail et tu seras fort et tu seras puissant. Je suis venu en Europe trop tardivement. J'ai des enfants qui venaient déjà en Europe, tout et tout. Mais moi, je regardais trop mon travail. Je ne voulais pas sortir. Mais il faut les écouter. Non, mais c'est un vieux père pour rien. Il ne connaît même pas l'Europe. Il ne connaît pas l'Europe. Et mes enfants, ça les fait même. Mais ça vous fait mal. Pourquoi? Ce n'est pas de moi qu'on parle. Il ne connaît pas l'Europe. Ça, c'est un gaou. Il ne connaît même pas les Champs-Élysées. Il ne connaît rien de l'Europe. Oh non, mais quand tu n'as pas de goût, il ne connaît pas l'Europe. Il dit, ah, si ce n'est pas la jalousie, goût. Je ne sais pas, Dieu m'a créé le goût. Ah oui, j'aime le goût, tout et tout. Mais quand l'homme ne t'aime pas, il dira toujours ce qui est contraire pour te faire fâcher. Ne pense plus aux événements passés. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Sur le point d'arriver. Ne pense plus aux événements passés. Tu es important, voilà pour qu'on parle mal de toi. Très important. Oh. Non. Si le chrétien a compris la vie chrétienne, ça va marcher pour lui. Ne pense plus aux événements passés. On dit tu n'es pas joli, mais il y a un atout en toi. On dit tu as gros ventre. Moi, on m'a trop dit ça, mais je m'en fous de ça. J'ai gros ventre, mais j'essaie d'utiliser mon ventre. J'essaie m'habiller mon ventre. Ma femme m'aime et je m'aime moi-même. Ma femme m'aime et je m'aime moi-même. Je m'aime.
L'air à gauche, t'entends, toi, dis, moi, dis, ne pense plus aux événements passés. Il y a des gens qui sont assis ici. Quand ils pensent encore que Pierre les a fait du mal, ils peuvent pleurer toute la journée. Non, tu es un enfant. Laisse tomber. Dieu a dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer si Saül, qu'à moi, je l'ai rejeté. Il y a des gens que tu as rejetés. Voilà pourquoi ils ne sont plus dans ton répertoire. Ceux que tu as rejetés, ne pense plus à eux. Ne pleure plus pour eux. Ils sont plus importants. Regarde ce qui va arriver maintenant. Regarde ce qui est sur le point d'arriver maintenant. Cette église va connaître une gloire terrible. Mais il faut que cette église arrête de penser aux événements passés. Un homme qui pense aux événements passés ne peut pas grandir. Et Dieu ne peut pas le rendre grand. Non, moi j'ai appris à ne pas penser aux événements passés. J'étais arrêté un jour, un mercredi, une de mes filles est venue. Il a vu même son fils à ici hier. Papa Diop, tu pries comment pour moi? Les gens viennent, ils sont bénis. Je n'étais pas quand même à parler. Hein. Les gens viennent, ils sont bénis. Mais moi, mon fils, depuis on fait tout, ça ne marche pas pour lui. Tout et tout. Papa Diop, il y a longtemps, je suis dans ton église, je viens te parler. Il faut que tu m'écoutes. En pleine chair. Oui, en pleine chair, mercredi. Les pasteurs voulaient. Non, asseyez-vous. Il dit, maman, il va travailler, même il va voyager. Et d'accord, ça me console. Papa, je m'en vais. Mon tien, voilà ton carburant. Voilà 10 000. Maman, que le Seigneur t'accompagne. Il va travailler. Elle était traumatisée toute la nuit. Elle dit, j'ai crié sur lui. J'ai babadé sur lui. Même, il ne m'a pas dit. Le silence est une arme. Le silence. Hier, je l'ai vu à la dort. J'étais très content. J'ai vu Thierry. Très content. Il le connaît bien. Très content. Ça me met chaud, chaud comme ça. Non. Moi, quand tu viens, tu veux me soulever. Moi, je cherche à m'abaisser, te faire asseoir. Ne pense plus aux événements passés. Par moment, pour gagner quelqu'un, prends ton cœur, mets dans la poche. Tout ce qu'il va dire, ce n'est pas ton problème. Ne pense plus aux événements passés. Non, mais quand on est pasteur, c'est encore difficile. Hein? Il y a des gens, le bien que moi, par la grâce de Dieu, ce que j'ai aidé qui travaille, il y a plus de 20. Plus de 20. Même mon petit beau, il était chez moi, mais il avait mes voitures. Il avait mes voitures. Un matin, bon, ok, c'est pas bon qu'il a toujours mes voitures. Toi, tu veux faire quoi? Il dit, je vais être gendarme. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu seras gendarme demain. Il a dit, gendarme. Même dit, mais il ne paye pas. Il ne m'appelle même plus. Il n'a même plus besoin de mon salon. Quand il appelle, non, je suis en train de cotiser. Non, dis-moi là, je vais payer. Mais est-ce que moi, je dois rester encore dans les événements passés? Non, je l'ai aidé. Pourquoi il fait ça? Non. L'homme qui aide, c'est l'homme le plus grand. Il est gendarme. Mais quand il va m'atteindre même de ma prospérité, ce n'est pas possible. Mais je l'ai aidé. Je ne dois pas émettre de mauvaises vibrations sur lui. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a des gens, il faut mettre en prison, être en silence. Moi, il y a des gens qui me devaient, il y a des appels, on a parlé. Bon, considère que tu ne me dois plus, laissons cette histoire tomber. La Bible dit, soyez en paix envers tous. Si ça dépend de toi seulement, fais la paix. Ne pense plus aux événements passés. Non, j'avais l'argent hier, ils étaient là, oui, je n'ai plus rien. Mais quand Dieu a me béni, je vais me venger. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne pensez plus aux événements passés. Que Dieu bénisse sa parole.